74e minute, les Bleus mènent 2-1, mais ils sont dans le dur. Et puis tout d'un coup, ça. Les supporters sont en liesse. Ils viennent d'apprendre que Sedan est mené à Sainte-Geneviève-des-Bois. Le SCB est donc leader potentiel. J'ai compris quand j'ai vu les gens se lever et qu'il y avait 6 mètres pour nous. J'ai bien compris qu'il se passait quelque chose sur un autre terrain. Mais voilà, arrêtons. Franchement, arrêtons. Restons concentrés sur nous. Mathieu Chabert garde la tête froide car malgré ce scénario idéal, ses hommes n'ont pas totalement rendu la copie attendue. Une domination en début de match qui ne pose pas de réels problèmes à Belfort. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir ici la première action dangereuse des Bleus. La bouffée d'oxygène intervient 5 minutes avant la pause. But de Kevin Chour. Elle sera suivie d'une deuxième dans l'ultime minute de cette première période. Encore un coup de pied arrêté et cette fois-ci, la tête de Bocognan. Au retour des vestiaires, les joueurs du SCB ne vont pas être portés par cet avantage au score. C'est Belfort qui se montre incisif. Les Bleus pêchent dans la finition. Et à force de déjouer, leurs adversaires vont réduire le score. Premier coup de froid. Le second, le voici, mais le but est refusé pour hors-jeu. C'est bien, on a gagné, je suis très content, on passe devant. Mais il faut que ces 20 dernières minutes, à partir du moment où on encaisse un but, il faut qu'on soit beaucoup plus serein. Ça va nous arriver encore d'encaisser des buts. Et il n'y a pas de raison qu'on ne tienne pas le score. D'ailleurs, on l'a fait ce soir. Les Bleus ont désormais 15 jours pour corriger ce qui doit l'être et gérer psychologiquement leur place de leader.